Bonjour à tous et bienvenue sur TV Land, dans le journal de ce lundi 11 mai. Le partage des mémoires pour les commémorations du 8 mai 1945. Nous irons à Tyros, à Souston et à Dax. Nous nous rendrons ensuite à Cap-Breton pour la journée Cap ou pas Cap, l'occasion pour les plus jeunes d'être sensibilisés à la préservation des ressources en eau par des sportives de haut niveau. Une tonne est-elle seulement une unité de mesure? Vous le découvrirez grâce à notre reportage au fil des eaux de l'étang blanc. Comme chaque lundi, retrouvez la suite de notre magazine santé sur l'accident vasculaire cérébral. Nous terminerons enfin ce journal par notre rubrique Beau travail et cette semaine sera consacrée au métier de l'informatique. Les enfants au cœur des commémorations du 8 mai 1945. Cette année, à Tyros, comme dans de nombreuses villes françaises, les plus jeunes découvrent les souvenirs douloureux de la guerre et la nécessité du devoir de mémoire. Pour les 70 ans de la fin de la guerre 39-45, la commune de Saint-Vincent de Tyros avait donné la parole aux enfants lors de la cérémonie de commémoration. Il nous a semblé important du message des enfants du texte de Lufac. La France célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles, dont 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration. L'horreur en était révélée au monde. Le 8 mai 1945, à Berlin, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française, signait pour la France l'acte solennel de reddition. Pour la France, cette victoire du 8 mai 1945 marquait le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de ses idéaux. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu nombre de ses fils déportés, emprisonnés, torturés, abattus. La victoire dissipait son cauchemar. Par l'héroïsme de la résistance et de son armée victorieuse aux côtés de ses alliés, la France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire l'a retrouvée fidèle à ses traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de sa dignité humaine. C'est également le triomphe de ses forces françaises libres. Celui de la 2e division blindée du général Leclerc, qui avait la participation de la résistance, libéré Paris, puis accompli le serment de Koufra du 2 mars 1941 en faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg avant de terminer leur épopée à Bechtengadon. En ce 70e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts. Soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et leur engagement. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre tient à rappeler l'hommage que leur rendit le général de Gaulle, qui déclara, évoquant leur sacrifice, en rendant le dernier soupir, « Vous avez dit « Vive la France !» Dormez en paix, la France vivra parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République, vive la France. Discours, levée de drapeaux et dépôt de gerbes de fleurs achevés, l'hommage est cette année encore magnifiquement fleuri. Elles sont belles. Il y en a plein qui sont amenées. Il y a eu les fleurs des sapeurs-pompiers, les fleurs des protections civiles, et les fleurs de l'Union française des anciens combattants. Et non, les enfants des écoles. Oui, ça nous a fait plaisir. C'était bien de lire devant tout le monde. En plus, j'ai pas eu trop le trac parce que j'ai fait du théâtre. Non, moi quand je lisais, je tremblais un peu sur les jambes. Moi j'avais un peu le trac au début, mais c'est passé.
de mettre les enfants au cœur de cette cérémonie, puisque le devoir de mémoire passera par les futures générations. Donc de les impliquer dans des commémorations comme aujourd'hui, c'est aussi faire passer le devoir de mémoire à nos plus jeunes. Les grands-parents et arrière-grands-parents peuvent être fiers, le devoir de mémoire perdurera. L'histoire, aussi partagée aux générations futures à Soustons, où la rencontre avec les anciens combattants fait naître chez les jeunes une certaine admiration. Il y avait une cérémonie pour le 8 mai 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a fait une marche et on a célébré les monuments aux morts. On a serré la main aux ceux qui ont combattu la guerre et qui ont survécu. Discours et remise de médailles, l'occasion pour les enfants de rencontrer des héros de guerre. Soldats, aviateurs marins, résistance. Ça me fait drôle, c'est la première fois, toutes mes autres décorations, je les ai eues quand j'étais en active. J'en ai quatre. J'ai la Défense Nationale, la médaille Outre-mer avec agrafe Moyen-Orient et une croix de guerre avec citation. Bah oui, j'ai fait la guerre du Golfe déjà, l'opération Daguet. Et après j'étais à Djibouti pendant 2 ans. Ça rappelle de mon souvenir, oui. Bah ça nous tient au cœur, je pense, parce que c'est impressionnant de voir des gens qui ont vécu et qui ont aidé la France. Après déposition de fleurs et levée de drapeau, les Soustonnais se sont recueillis devant le monument aux morts pour 1 minute de silence. Il y a 70 ans, les survivants d'aujourd'hui étaient à peine âgés de 15 ans lorsque leur vie a basculé. À Dax, leurs souvenirs sont encore vifs. À Dax, ancien combattant, militaire, policier, pompier, représentant l'État, élu et civil, était présent dans le square Max Mora pour commémorer le 8 mai la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et rendre hommage aux victimes. 70 ans après, pour les quelques résistants présents, l'émotion était toujours aussi vive. Parce que je connais l'histoire depuis 40 jusqu'à 45. Hein. Parce que je suis là-haut, moi, Dunkerque, là-bas, j'étais dans les bombardements à Dunkerque en 40. Hein. Alors on pensait que, pour moi, c'est aussi important que le 11 novembre, hein, parce que c'est un jour quand même où on se recueille, où on pense à tous ceux qui sont morts là-bas. Hein. Cette année, un hommage particulier a été rendu aux anciens combattants et aux résistants. Plus de 1000 d'entre eux ont ainsi été décorés de la Légion d'honneur. À Dax, Robert Soligné a reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour ses faits d'armes. Et René Beauroy a quant à lui été promu officier de la Légion d'honneur. Je suis un ancien résistant. J'ai commencé à 15 ans et j'ai été arrêté à la frontière espagnole, quand je partais rejoindre les forces libres. Et j'ai commencé à faire tous mes camps de concentration. Et j'ai commencé de Fresnes jusqu'à la forteresse de Perpignan. Et ensuite, je suis allé à Buchenwald, Auschwitz, Sachsenhausen, Orienenburg, Ordruf, Gravinkel, et Dora, et peut-être d'autres que j'ai oubliés. Et ça représente que je suis vivant, surtout, et que j'ai pu revenir. Et que les autres sont morts. Et les autres, ce sont plus de 50 millions de victimes, civiles et militaires, à qui la France rend hommage tous les 8 mai, afin de ne jamais oublier. Le courage de continuer et d'avancer malgré tout, c'est aussi ce qu'il a fallu aux 3 championnes de sauvetage côtier qui ont rallié le Cap Horn à l'Antarctique à la force de leurs bras sur un paddleboard. Un défi sportif exceptionnel auquel s'ajoute un volet pédagogique pour sensibiliser les jeunes à la protection de l'eau. 25 établissements scolaires de la côte landaise à Monaco et jusqu'au Chili ont pris part au projet. Des élèves se sont retrouvés à Cap-Breton pour une journée autour d'ateliers. Un reportage de Béatrice Gouin. Tout au long de la préparation de leur défi sportif, les rameuses de l'extrême ont impliqué les enfants via le volet pédagogique du projet. Mercredi, quelques centaines d'entre eux ont pris part à cette journée unique.
Aujourd'hui, on rencontre les enfants qui nous ont suivis sur notre projet pédagogique. On n'a pas pu tous les rencontrer parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Mais voilà, il y en a 400 qui vont venir sur la journée pour voilà, nous poser les questions s'ils en ont et faire des petits ateliers sur l'environnement et l'eau. On avait hâte de les rencontrer parce que j'ai jamais rencontré des filles qui avaient pu faire une traversée comme ça. C'était extraordinaire. Et c'était super. On a passé beaucoup de moments ensemble. Et je trouve que c'est super la traversée qu'elles font. C'est incroyable. C'est la première fois que trois filles font une traversée pareille du Cap Horn en Antarctique. C'est incroyable. Et là, on a appris plus de choses. Parce qu'en classe, on a préparé des questions pour leur poser. Et puis elles nous ont répondu. Et comme Hugo a dit, on a vu un petit film sur leur traversée. Et voilà. Au cours de l'année scolaire, écoliers et collégiens ont pris part à l'aventure à travers des défis, des rencontres et des projets. On a travaillé 2 ans dessus, donc parce que j'avais des élèves qui étaient en CM1 l'année dernière que j'ai gardé cette année en CM2. Donc c'est un moteur, c'est une motivation. On a étudié comment était construite la dune, on a étudié comment se forment les vagues, les différents types de vagues. Bon, mes élèves ont eu la chance aussi de faire du surf, donc on a aussi pratiqué dans l'environnement. On a étudié comment était plantée la forêt des Landes. Avant de se mettre à construire cette maquette, on a fait beaucoup de recherches l'année dernière. Et du coup, ça nous permet de travailler dans plein de domaines. Et les enfants étaient vraiment impliqués, la motivation était là. Les jeunes Labénés ont d'ailleurs remporté le prix du meilleur projet éco-citoyen avec une maquette représentant la forêt, la dune et l'océan. Ça sert à montrer aux personnes où il ne faut pas se baigner. Qu'il ne faut pas marcher sur la dune. Et, enfin, c'est pour dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi à la plage, qu'on n'a pas le droit de tout faire. La sécurité et la dangerosité de la plage. Et c'était bien là le but de ce volet pédagogique, réussir à travers l'exploit sportif à sensibiliser les plus jeunes aux dangers de l'océan et à la préservation de l'eau. C'est vrai qu'on s'est axé sur la protection de l'eau puisque c'est aussi notre terrain de jeu. Donc il y avait plusieurs thématiques en fonction de l'âge des enfants. La première, c'est la sécurité l'eau, surtout pour les plus petits. L'importance d'apprendre à nager, l'importance de se baigner dans la zone de bain l'été, de mettre un gilet s'ils vont faire du kayak ou s'ils partent en bateau. Donc ça, c'était vraiment la thématique pour les plus petits. Et effectivement, plus tard, c'était se rendre compte que l'eau potable, elle est, c'est une denrée rare et puis il faut la préserver. Il ne faut pas la gaspiller, ce n'est pas parce qu'on la paye entre guillemets qu'on a le droit de la gaspiller. Et puis il y a des gens, et notamment au Chili, on a pu s'en rendre compte, il y a des endroits où ils n'ont pas l'eau potable. Donc ils font par bateau arriver des bouteilles d'eau pour que les gens puissent boire de l'eau. Donc voilà, il y a des problématiques qui sont différentes en fonction des pays. Et c'est ce qu'on a voulu faire prendre conscience aux enfants, parce que ce sont les adultes de demain et doivent être vraiment responsables de leur consommation d'eau. Et apparemment, le message est bien passé. Je pense que l'eau, faut vraiment la respecter parce que c'est quelque chose d'important, qu'on s'en sert tous les jours, pour, que ce soit pour se doucher ou pour quand tu veux te baigner. Ou voilà. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de la polluer parce que c'est quelque chose de très beau, l'océan. Et le fait de faire ce projet, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a appris beaucoup de trucs. Je ne savais pas qu'il y avait des baïnes et qu'il y avait des trous. Et que franchement, je ferai plus attention la prochaine fois. Et que je pense que je faisais déjà un peu attention avant à la nature, mais là, j'en ferai encore plus parce que quand je vois ce que ça fait, voilà, je pense qu'elle est maltraitée. Nous continuons au fil de l'eau pour une rencontre avec les traditions de l'étang blanc. Dans le cadre du Printemps des Landes à Seignos, la famille Lesbats propose une visite en barque des tonnes landaises. Mais qu'est-ce donc qu'une tonne ? La réponse en images. Chaque nuit de septembre à janvier, les chasseurs de l'étang blanc sont attentifs au moindre bruit. On est à l'affût du champ suspect d'un de nos canards qui nous alerte. Ah, par exemple, un canard chante différemment. S'il y a un canard qui passe au-dessus et qui vient se poser la nuit, suivant le chant du canard, ah, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est posé. Camouflés depuis leur tonne, des sortes de petites maisons sur pilotis, ils attendent que le chant de leur canard attire les migrateurs sauvages. Spartiates mais confortables, les 36 tonnes qui recouvrent l'étang ne sont pas ouvertes au grand public, sauf 4 fois par an pendant le Printemps des Landes, quand la famille Lesbats mène la barque.
suis issu d'une famille de chasseurs et de pêcheurs et qui nous ont transmis donc cette passion, et enfin pour nous qui est devenue une passion, mais pour eux à la base c'était leur, leur moyen de survie. On a été sollicité par l'office de tourisme de Seignos. On a trouvé l'idée très sympa parce que ça montre une autre facette et une autre possibilité de tourisme sur Seignos. On a un lac, un étang blanc qui est magnifique. C'est avec passion que ce restaurateur emmène les visiteurs à la rencontre de son environnement et à la découverte des techniques traditionnelles de chasse et de pêche. Encore que la pêche ait une image plus positive parce que maintenant on pratique le no-kill, on relâche du poisson. La terminaison à la chasse, elle est plus fatale, elle est plus, elle est mortelle en fait. Nous, on a une relation, notre famille, sur la chasse qui est très respectueuse, on va dire, qui est, voilà, on mélange pas tout et l'histoire de notre famille est liée à la chasse et à la pêche, et donc c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et qu'on essaye de faire passer à nos enfants, quoi. On a toujours le souci de transmettre quelque chose. Avis aux amateurs, vous pouvez louer des barques pour découvrir les richesses de l'étang blanc tout au long de l'année. Connaissez-vous les conséquences que peut avoir un accident vasculaire cérébral? Notre magazine Stop AVC donne la parole aux spécialistes pour connaître les bons réflexes. L'accident vasculaire cérébral ou AVC nous concerne tous, mais ce n'est pas une fatalité. Pour le faire reculer, il faut mieux le connaître et comprendre les actions de prévention. Au sommaire de ce numéro, un focus sur les possibles conséquences dramatiques d'un AVC. Et puis nous découvrirons les interactions médicamenteuses et alimentaires avec les anticoagulants prescrits dans la prévention de l'AVC. Tout de suite, question d'AVC. Presque 800 000 personnes vivent aujourd'hui en France avec des antécédents d'AVC. Et parmi elles, 500 000 présentent des séquelles. Mais connaissez-vous lesquelles? J'imagine, oui, que l'AVC doit laisser des séquelles. Des troubles psychomoteurs, ensuite d'autres troubles qui vont affecter la parole. Perte des mouvements. La paralysie ou je sais pas. Ça peut être très variable. Il me semble qu'il y a des gens qui s'en remettent bien et d'autres moins bien. Alors, quelle séquelle peut laisser un AVC? Les réponses du docteur France Doiman, neurologue et vice-présidente de France AVC. Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie extrêmement sévère. C'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. On estime qu'environ un quart des personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral ne seront plus totalement autonomes dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'elles auront besoin d'une aide pour se lever, pour marcher, pour s'habiller, pour se laver. À côté de ça, un certain nombre d'accidents vasculaires cérébraux vont bien récupérer. On aura l'impression qu'ils ont bien récupéré, mais des fois qu'ils vont avoir ce handicap invisible avec des difficultés dans la vie quotidienne, des difficultés pour planifier les actions qu'ils ont à faire, des difficultés pour faire plusieurs tâches à la fois, et tout ceci est vraiment très invalidant dans la vie de tous les jours. Et puis il faut savoir que 30% des patients, après un accident vasculaire cérébral, vont faire une dépression. Et cette dépression, on sait la traiter, donc il est important de savoir la dépister. Donc surtout, il faut appeler rapidement le centre 15 lorsqu'on a des symptômes évocateurs de l'AVC, puisqu'on sait que plus on est traité vite, plus on a de chances d'avoir des séquelles moins importantes. Pour prévenir un AVC dû à la fibrillation auriculaire, vous pouvez être amené à prendre un traitement anticoagulant pendant longtemps. Cela peut entraîner des contraintes, comme nous l'explique le docteur Mandelson, pharmacien. Alors, quand un patient arrive avec une ordonnance comportant des anticoagulants oraux, on vérifie tout de suite les autres traitements que ce patient prend, car il peut y avoir des liens entre les différents traitements qui peuvent augmenter ou diminuer l'effet du traitement anticoagulant. Il est notamment véritablement contre-indiqué d'utiliser de l'aspirine ou certains anti-inflammatoires. Dans tous les cas, il faut en parler à son pharmacien ou à son médecin. Au-delà des traitements, il faut également être très attentif à l'alimentation. Il y a des effets de certains aliments, comme les choux, brocolis, laitues, tomates, épinards,
qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité des AVK. Avec les nouveaux anticoagulants oraux, là, il n'y a aucun impact de l'alimentation sur l'efficacité de ces traitements. Il est aussi important de bien sensibiliser les patients à certains événements comme les fièvres, sueurs, coups de chaleur, diarrhées, qui entraînent une déshydratation et donc qui peuvent entraîner une fragilité au niveau du rein. Dans ces cas-là, le plus important est de s'hydrater et d'en parler avec son médecin ou son pharmacien. Retrouvez d'autres informations pratiques sur les anticoagulants oraux et sur le risque d'AVC sur stopavc.fr. Face à l'apparition brutale des symptômes suivants, paralysie brutale du visage, faiblesse brutale d'un bras ou d'une jambe, troubles soudains de la parole associés à l'apparition brutale de troubles de l'équilibre, de céphalée intense ou d'une baisse de la vision, appelez immédiatement le 15. Plus d'informations sur www.stopavc.fr. Internet est désormais presque partout, tout le temps, mais derrière vos sites favoris se cache un métier, celui de développeur web. Mickaël a 28 ans, il aime la salsa, voler en ULM et surtout son métier. Mickaël est développeur web. Je réalise la partie technique des sites web, l'architecture et la programmation des pages, et je les fais évoluer. Et puis je me tiens aussi au courant de l'actualité technologique. Et oui, car le web progresse tellement vite qu'il faut toujours être vigilant et curieux pour rester un roi de l'informatique. J'arrive pas à télécharger. Appelle la hotline. Je ne suis pas réparateur d'ordinateur. Au contraire, mon boulot me demande de créer et d'inventer de nouvelles fonctionnalités, et c'est ça que j'aime. Un développeur doit en effet proposer des solutions et des innovations à son client. Sans développeur, eh bien, pas de site internet, tout simplement. C'est un chouette métier, qui est en plus très varié. Tout change d'un site à l'autre, donc c'est vraiment agréable. Après un BTS et un master en alternance, Mickaël a tout de suite travaillé et gagne aujourd'hui plus de 3000 euros par mois. 15 000 postes de développeurs sont à pourvoir chaque année, alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça... Sans réparateur, c'est utile aussi. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve mercredi 13 mai pour un nouveau journal de TV Land, votre web télévision locale. Tout de suite, la météo, au revoir.